sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, hey, un moulin! Ouais, on va traverser par là. Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné! Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. C'est ouvert. Elle est géante, cette roue! C'est pour écraser le blé. Le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la route. Et comment on va l'arrêter? Oh, Amicia, on va trouver un moyen. Le courant diminue, mais c'est pas sûr. Vas-y, Hugo. Faut qu'on arrête cette roue avant, ou ça finira mal. Hugo, tu veux bien t'en occuper? D'accord. Allez, il n'y a plus qu'à traverser. Mélie, tu peux t'en charger? Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Attends, viens. Te laisse faire, Hugo. Tout de suite. Arrête. Oui. Hugo, j'ai besoin de toi. D'accord. Le pont-levis est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte. C'est bon, arrête. Tout de suite. Vas-y, Hugo. Oui. Et voilà! Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin! Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Simplifier la vie. On va passer par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Non. Bon allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Amicia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas.
Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah, c'est ça ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça ? Noble ? Amicia ? Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars ! Par ici, venez m'aider ! Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors, où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Merde. Restez baissés. Il a un casque. Oh ! Dévorantis. Quoi ? Dévorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez. Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi ? Il y en a un avec un casque. Moi, tu sais quoi faire. Oui. Tu sais où sont les pierres équipées ? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans. Efficace. J'aime ça. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a d'autres. On doit sortir de là. Faut retrouver la queue-duc. Je sais. Où est le château d'ombrage ? Par là. Suivez-moi. Oh non ! Je le savais. Du calme. Moins de pistes, con ! Mais il y en a partout des pistes ici. C'est un coin sanglier. Vous voyez la R s'éclairer là-bas ? C'est par là qu'on sort. Bon, Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Et pas un bruit. D'accord. Entendu. Il me cherche encore.
ce bruit. Toujours rien. Ah, mais t'y étais, toi. Paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a du pire. On l'appelle pas le moine écarlate pour rien. J'ai entendu quelque chose par là. C'était déjà trop. Allons-y. On y est presque. La herse s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Là ! Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia, le dévorantis, il t'en reste? Oui. Alors vas-y, fais sauter son casque. Je suis tellement contente de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Je t'entends. Et toi, Lucas, ça va? Ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai, allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident. C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère, Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Ils ont été pulvérisés. Hein? Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais... L'aqueduc, on arrive. En tout cas, enfin. On va enfin savoir. Monte, oh. Je vais t'aider. D'accord. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah,
Aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Wow. T'as l'œil. Vas-y, monte. Quoi? C'est tout? Il n'y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Est-ce que c'est la mer? Non, juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur J'en la bonne voie. J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? Il est où? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Bravo. Un bac à trailles. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Mélie, tu peux le faire? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid, alors. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau, et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti! Wow! Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils sont aussi très fins. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. Parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Ça m'a l'air bon vu d'ici. J'arrive. Oh,
fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. C'est fait. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. Du calme. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rat, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les âmes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que les chevaliers m'ont mis leur pierre et le mortier. Mais les artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il allez, a été construit il y a longtemps. Allez, à la fosse. Je dois passer de l'autre et côté. Les rats, ils bon, sont allez, pas là venez. Depuis longtemps. Très juste. Et ça... ça me donne la chair de poule. Viens, je vais te faire monter. Ouais. Je m'occupe de la porte. Allez, passez, bande de feignants. À dire, c'est efficace par système. Allons-y. Je passe devant. Oui, oui. Une porte, c'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Mélie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'orage. Il est superbe. J'ai douté à un moment. Mais ça, ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. À toi, Mélie. D'accord. Ouvert. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui fout. C'est vrai, oui. Oh, des rats! Je vois pas... je vois pas comment... Wow, ça! L'éclair! Ils ont peur des éclairs maintenant! Courez! C'est de la folie! C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. Ça devrait aider. C'est le moment. Allez, allez. Vas-y, grimpe. D'accord. Tout le monde va bien? Allez, on va y arriver. Merde,
rentrons vite. Venez. Wow. Incroyable. Ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est ouvert. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie ? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. Du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Du petit bois derrière toi. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Hé, regardez ça. Sur l'utilité de la fosse. Le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir ? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Bon. Cela aussi doit finir dans la fosse. Bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein ? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu peux t'en charger. D'accord. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être ? Ça va. C'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité.
dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Tu peux le faire ? Tu peux arrêter, s'il te plaît ? Ouais. Je vais t'aider. J'arrive. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète ont pris le château d'Ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez. Faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord. Je descends. Oula, c'est quoi ça ? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein ? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château ! Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter ? Ces saletés de rats sont partout. Très drôle.
Ça y est, la vermine arrive de mon côté. Je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Le château nous a sauvés. Oui, Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour! C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant.